بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يعطه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة أخوات مؤمنين مؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve donc ce soir pour un tout nouveau cours. Alhamdulillah, on a fini la parure de l'étudiant en sciences. Un tout nouveau cours, ou plutôt une toute nouvelle série de cours basée sur l'authentique des récits des prophètes. Donc on va se plonger dans les histoires prophétiques. Alhamdulillah. Donc c'est un voyage. C'est un voyage, certes. Déjà, il nous fait voyager de France parce qu'on va parler de Yanni, de l'Égypte avec Moussa comme aujourd'hui, et de ceci et de cela. Non. Et d'Ibrahim avec la Kaaba, donc c'était en Arabie là-bas. On voyage comme ça, mais c'est pas que pour voyager en disant « Oh, c'est beau, quelle belle histoire. Oh, on a voyagé. » On aime les histoires. L'être humain, il aime les histoires. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les ulama, ils disent à Médine même, quand il s'agit de citer les histoires prophétiques, les mosquées sont pleines. Mais dès lors qu'on fait des cours sur le tawhid, les mosquées se vident. Ajib, subhanallah. Ça, c'est à Médine. On le voit aussi ici. On verra les vues, les statistiques, comme on dit, les vues sur les cours des histoires des prophètes ou les cours sur le tawhid. Mais en général, c'est comme cela. Pourtant, et si on fait bien notre travail en théorie, les histoires prophétiques regorgent d'anecdotes sur le tawhid. Quand on ne se contente pas que de les lire. D'accord ? C'est une belle histoire, sinon. C'est mashallah, on apprend des choses dans le din, on sait que tel prophète, il a fait telle chose, et il est tel, et hein ? Ok ? Ça, c'est bien. Mais c'est pas que pour voyager de cette manière-là, ou s'instruire, ou trouver l'histoire belle. On est là pour méditer, tirer des enseignements, c'est du din, on tire des points fondamentaux dans notre din, des points de tawhid. Toutes les histoires prophétiques sont tawhid. Car les prophètes, tous les prophètes, ont été envoyés, et vous le savez, pour propager un seul et unique message, le message de l'unicité, le monothéisme pur. C'est leur point commun. Après, ils ont eu des divergences, dans le sens des divergences, pas entre eux, mais des divergences dans la, comment dirais-je, dans la législation. Différentes législations, si je puis dire. Ils ont eu différentes législations. Hein? Ce avec quoi Moussa gouvernait, il y a les ordres, et comment il priait, comment il jeûnait, c'est... Wallahu a'lam, en tout cas, probablement pas pareil que nous, comment on fait. Chaque prophète a sa législation et ses règles. La charia qu'on connaît aujourd'hui, c'est la nôtre. C'est pas celle de Isa, de Jésus. Par contre, le message, la ilaha illallah, c'est le même. Donc, ils étaient envoyés pour le tawhid, les prophètes, tous. La da'wa des prophètes n'est que tawhid et la da'wa des messagers n'est qu'une. Donc, ça, on doit le souligner, on doit en parler, on doit en retirer des choses. Des sagesses, des leçons, je vous dis, des points sur le tawhid, des points de fiqh, aussi des règles, plein de choses. Hein? Donc ça, c'est quand on se contente plus seulement de lire l'histoire. Et Moussa, il a été dans le berceau, il a été recueilli par Pharaon, et après, il est revenu en tant que messager face à Pharaon, et après, il s'est fait chasser, et après, il a mis la mer. Oui, tout ça, on connaît, plus ou moins.
Et on doit tirer des choses. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais insister. Et si, mais Edné, là, je fais ces cours, c'est pour creuser. C'est pour croiser en lisant l'explication. Donc là, on se base sur ce qu'a fait Ibn Kathir, na'am, avec l'authentification des hadiths par Sheikh Al-Albani, na'am. Donc voilà sur ce qu'on va se baser. Et puis, on argumentera et on donnera encore plus de détails. Mais Ibn-Nela, si Allah nous facilite. Voilà donc ce sur quoi on va se pencher. Et comme je vous dis, on va commencer par l'histoire de Moussa. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime beaucoup l'histoire de Moussa. Et j'ai envie de commencer par l'histoire de Moussa. Donc, le récit de Moussa dans le Coran. Le récit de Moussa dans le Coran. Moussa, tout d'abord, c'est ce qu'on dit en français, de manière francophone, Moïse. Moïse. On a entendu, on entend parler de lui de cette manière-là, quand c'est en français, comme Aïssa, Jésus. Comme Aïssa, Jésus. C'est correct pour une traduction du nom en français. Par contre, pour notre prophète Mohammed, aïssalat wa salam, s'ils disent Mohammed, à la rigueur, mais il n'y a pas de Mahomet. Vous savez, ils disent souvent ça, les koufars, Mahomet. Ça n'a rien à voir. Mahomet, ça n'a pas la même signification que Mohammed. Mahomet, c'est péjoratif. Mohammed, c'est élogieux, premièrement. Et deuxièmement, c'est comme appeler Jacques et Thierry. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc quand quelqu'un dit Mahomet, vous devez le reprendre immédiatement. Koufaye, c'est un kafir, c'est pas un kafir, c'est pas mon problème. J'appelle une voiture, voiture. J'appelle pas une voiture, une route ou un arbre. Donc ils sont pas contents, c'est la même chose. Il n'y a pas de Mahomet, ça n'existe pas. Donc en vérité, s'ils disent à la télé, ils insultent, soit disant le prophète Assalam en disant Mahomet, en vérité, ça nous fait rire. N'a pas à s'énerver parce qu'ils n'insultent pas Mohammed Aïssalam. Ils n'insultent pas Abul Qasim Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Faux. Ils insultent Mahomet. C'est qui Mahomet? Ça ne nous concerne pas, on s'en lave les mains. Mahomet, on ne connaît pas. Nous, on s'en fiche de Mahomet. Donc, ça, c'est important à le souligner quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ça ne choque pas. Ils pensent que c'est une traduction en français. Non. C'est Mohammed. Non. Donc, le récit de Moussa dans le Coran. Qui est Moussa? Il est Moussa ibn Imran ibn Qahif ibn Azar. Ibn Lawi, Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Surat Maryam, verset 51-53, et rappelle dans le livre, Moussa, il était un élu, ainsi qu'un messager et un prophète, nous l'appelâmes du côté droit du mont, et nous le fîmes s'approcher pour lui parler. Et par notre miséricorde, nous fîmes de son frère, Haroun, un prophète. Non. On va détailler à chaque fois qu'est-ce qu'on peut dire sur tel verset. À chaque fois, Ibn Kathir commente chaque verset, car les récits prophétiques, finalement, de Moussa ou de quelqu'un d'un autre prophète, peu importe, ils sont tirés du Coran, bien évidemment. Vous vous doutez bien que tout ça, c'est tiré du Coran. Parfois aussi, il y a quelques hadiths ou bien des paroles pour agrémenter les paroles de compagnons ou autres. Mais c'est les récits prophétiques, leur source première, c'est le Coran. Donc, il y a les versets du Coran qui sont comme ça, qui s'accumulent, et à chaque fois, Ibn Kathir, il commente, il dit un tel savant a dit ça de ceci et ça de cela, et il nous décrit l'histoire de manière très détaillée par rapport au verset. On aurait lu que le verset, on n'aurait peut-être pas compris autant d'éléments. C'est ça, hein, c'est ça qui est le grand intérêt de suivre les savants. Ils comprennent, ils voient loin, d'accord? Donc on peut comprendre du coup mieux l'histoire de Moussa, et c'est déjà beaucoup plus agréable parce qu'on est projeté tout de suite. L'histoire, on est dedans, et puis on comprend, il y a des points qu'on n'aurait pas compris seulement en lisant comme ça, surtout en français, mais seulement en lisant le Coran seul. Donc ça, on aura des descriptifs à chaque fois. Moi, ce que je pourrais dire déjà là, et on en reparlera plus tard, je pense, dans l'histoire de Moussa, quand on y sera, quand on sera au passage du mont où Allah Azzawajal lui a parlé de vive voix. Et on en reparlera aussi, comme j'ai dit, dans Al-Qaïdatu Al-Muraqishia, c'est-à-dire la règle, le précepte de Marrakech, Maldi, on dit Marrakech, mais ça se dit pas.
Donc c'est ce cours-là que j'ai annoncé tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, qui, quand on va reprendre le programme des cours, c'est-à-dire, normalement, on avait mercredi, jeudi, samedi, dimanche, maintenant, ça va être toute la semaine. Allez, bi'idhnillah, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Avec la continuité après Ramadan d'ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, la continuité après Ramadan des histoires prophétiques, et l'ajout, je vous dis, d'une lettre en réponse à un besoin d'Ibn Taymiyyah, une lettre sur des points de aqida importance et les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on verra, oui, aussi dans ce cours-là l'histoire de Moussa, enfin l'histoire pas en détail, mais le point du fait qu'Allah Azza wa Jal lui a parlé de vive voix. Allah Ta'ala lui a parlé de vive voix, donc avec une voix, il lui a parlé comme parler, avec une voix, un son. Comment? Allahu A'lam, mais il l'a fait comme cela. Et pour ceux qui nient, pour ceux qui réfutent le Coran, ils disent que Moussa est un menteur, et les Jahmiyyah, donc on connaît les contemporains, les Ahbash, ou là, les Ashariya aussi, pour les plus égarés d'entre eux, il y a différents types de Ashariya. Naam, Allah Musta'an. Donc on verra ça dans un cours dédié sur les noms et attributs, et on en reparlera un petit peu quand même dans l'histoire de Moussa. C'est un point d'arakida, vous voyez, on a à peine lu un verset, on commence déjà avec un point d'arakida très important. Hein? Si on se contentait de lire le verset, il était un élu, ainsi qu'un messager et un prophète, nous la plâmes du côté droit du monde, et nous le fîmes s'approcher pour lui parler. Et puis tu passes comme ça, et puis tu passes, puis ça te dit rien. Non, nous on détecte, nous gens de la sunna, comment ça Allah il l'appela du côté droit du monde, et il fait s'approcher de lui pour lui parler, parce qu'Allah lui a parlé. C'est qu'Allah, il a attribué de la... On sait qu'Allah, il parle. Il a la parole. Il a une voix, il a un son, il y a quelque chose. Il a parlé à Moussa de vive voix. Ça, c'est un point d'arqueda très important. Et par votre miséricorde, donc, le film de son frère Haroun, un prophète. On apprend qu'il y a un, il avait un frère, déjà, premièrement, et qu'il était aussi prophète. Voilà comment on fonctionnera à chaque fois quand on lira, Inch'Allah, et qu'on décrira les choses. Allah a fait donc mention de Moussa en de très nombreux endroits du Coran. Sachez que Moussa, il est cité vraiment, vraiment, vraiment énormément de fois. Hein? Il est cité énormément de fois dans le Coran. Son histoire, yani, elle est citée dans beaucoup de sourates. C'est pas que dans une sourate. Comme par exemple l'histoire de Youssouf. Elle est citée dans sourate Youssouf. Moussa, c'est vraiment cité et répété parfois dans de nombreux passages du Coran. Donc Allah a fait mention de Moussa en de très nombreux endroits du Coran et il a cité son récit de façon concise, parfois, ou détaillée d'autres fois, à maintes reprises. Nous avons évoqué cela, dit Ibn Kathir, dans At-Tafsir, donc son explication du Coran. Et nous allons rappeler ici son récit du début à la fin, à partir des textes du Coran et de la Sunna, ainsi que des récits des gens du livre que les pieux prédécesseurs ont rapportés. Incha'Allah, voilà notre travail et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Allah Ta'ala a dit... Dans Surat Al-Qasas, versets 1 à 6. Al-Qasas, c'est les récits. Les histoires. Tosimim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Fir'aun. Fir'aun, Pharaon. L'histoire de Moussa et de Fir'aun à l'attention des gens qui croient. Fir'aun était hautain sur terre. Il divisa les habitants en clans. En méprisa une partie dont il égorgeait les garçons et épargnait les filles. Il était un véritable fauteur de troubles. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers. Nous voulions également les établir durablement et faire voir à Pharaon et à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Donc Allah, ici, mentionne son récit de manière concise. Et là, il a... en quelques lignes, en quelques versets, hein, exactement donc en 6 versets, Allah Azza wa Jal, il a mentionné l'histoire de Moussa dans son entièreté, c'est-à-dire de manière vraiment globale, sans détailler. D'accord ? C'est les grandes lignes de l'histoire de Moussa. Moussa, il est venu, contre Pharaon, on sait, voilà, et ils étaient méprisés, et finalement, ce sont les injustes qui ont été méprisés à la fin. Ça, c'est l'histoire globale. Après, elle va être détaillée, bien sûr. Donc Allah mentionne ici son récit de manière concise, puis il le développe par la suite. Il mentionne qu'il raconte à son prophète, aïssalat wa salam, parce que c'est ça qu'il révèle, il faut toujours se mettre dans le contexte. Tansil mim, voici les versets du livre explicite, nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon. Ça c'est révélé à Mohammed, aïssalat wa salam. Toujours se mettre dans le contexte. Donc, il mentionne qu'il raconte à son prophète, sallallahu alayhi wa salam, l'histoire de Moussa et de Pharaon en toute vérité. C'est-à-dire comme s'il y assistait personnellement, comme s'il était, on va dire,
dans l'histoire. D'accord? C'est comme si vraiment on était comme une vision, yani vraiment, c'est une révélation. Vraiment qu'il se plonge à l'intérieur de cette histoire. Donc là, ce qui a été dit, bien sûr, on va détailler phrase par phrase, voire mot par mot, verset par verset. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun moment où on va lire et puis on va laisser comme ça des phrases peut-être qui vous resteraient ambiguës. Comment ça, Firpan, il égorgeait les garçons, mais c'est-à-dire pourquoi il épargnait les filles? Toutes vos questions, Inch'Allah, elles vont trouver des réponses. Le travail d'Ibn Kathir est vraiment remarquable pour cela. Il a vraiment découpé et détaillé chaque verset, voire des fois même des fragments de versets sur certains mots. Concernant la particule, Fir'aun était hautain sur terre. Fir'aun était hautain sur terre, il divisa les habitants en clans. On peut dire de cela qu'il était un tyran, un oppresseur et un despote. Hein? Quelqu'un donc qui avait choisi la vie d'ici-bas et s'était détourné de l'obéissance au Seigneur de l'univers. Il divisa les habitants en clans. Autrement dit, il divisa les gens en classes, en groupes et en genres, et méprisa une partie d'entre eux. D'accord? Il y a des nobles, des comme si, selon les couleurs de peau, selon comment les gens y sont, certains même qui avaient des maladies, ils étaient entre eux, des groupes, des classes, des genres, c'est même plus au-delà du racisme, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'était quelqu'un, il était mégalomane, celui-là, c'était quelqu'un, voilà, il se prenait pour le Seigneur de l'univers, on verra, il pensait être Allah Azzawajal, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut. Et il pensait gouverner comme ça sur ses serviteurs et ses esclaves, comme il le disait. Donc c'était vraiment Fir'aun, c'est de la pire espèce. Donc, il divisa les gens comme ça. Hein. Il y avait le peuple, des enfants d'Israël, comme on dit, Bani Israël. On entend souvent ça dans le Coran. Il y a Bani Israël. Bani Israël, c'est les tribus d'Israël, les enfants d'Israël, même Israël étant un noble prophète. Étant un noble prophète. Voilà pourquoi on ne dit pas au sujet des Yahoud, des Juifs, en vérité, hein, injustes, qu'on voit aujourd'hui, les sionistes, etc., ce sont des Israéliens ou c'est le pays Israël. Faux, 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 faux. On dit le pays des Yahoud, le pays des Chariatim, le pays des injustes, le pays des Juifs ou des faux Juifs, parce que c'est même plus les Juifs de l'époque, enfin bref. On les vise, eux, on les décrit de la manière qu'on veut, mais ce ne sont pas les Israéliens, et ce n'est pas Israël. Je n'appellerai jamais ce pays Israël, parce que Israël est un noble prophète. Donc voilà, il y avait, du temps de Fir'aun, sous son joug, le peuple des enfants d'Israël, qui sont des descendants du prophète d'Allah, Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ok ? Donc, les enfants d'Israël sont les descendants, hein, la tribu d'Israël, dont Moussa yani, fait partie, aussi Isa, Jésus, cette tribu des descendants du prophète Israël qui se fait aussi nommer Yaqub. C'est le même. Israël ou Yaqub. Yaqub, Israël, c'est la même personne. C'est comme si moi je m'appelle Thomas, mon prénom, ou Qasim. On vise la même personne. Donc, Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ibrahim, le Khalil, l'ami privilégié d'Allah, le rapproché. Donc, c'est de la lignée des prophètes, c'est de la même famille, du même sang, du même clan. Et donc, à cette époque, c'était le meilleur peuple sur terre. Bani Israël était le meilleur peuple sur terre. Bien évidemment, c'est des descendants de prophètes et de messagers. Ce roi, Fir'aun ici, injuste, inique, mécréant et débauché, les domina. Il les a réduits à l'esclavage. Et il les employa dans les travaux les plus pénibles et les plus vils, les plus dégradants. Il les a vraiment rabaissés. Et en plus de cela, il égorgeait les garçons et il épargnait les filles. Il était un véritable fauteur de troubles. Qu'est-ce qui l'amena? Bon, on a vu que c'est le fait qu'il soit un tyran et qu'il soit mauvais, le fait qu'il exploitait les gens, qu'il les a divisés en classes, et qu'il les a réduits en esclavage et les employés dans des travaux pénibles. Mais qu'est-ce qui l'amena à agir finalement, viser envers Bani Israël. Parce qu'il y avait aussi les Coptes, les chrétiens Coptes aussi à cette époque-là. Il n'était pas comme ça avec eux. C'était des gens du peuple, mais il était comme ça. Il s'acharnait sur le peuple de Bani Israël. Surtout sur eux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui l'amena à agir de cette manière ignoble ? C'est que les enfants d'Israël se transmettaient des récits prophétiques attribués à Ibrahim, le prophète Ibrahim, en disant. Ces récits disaient
disant donc que naîtrait de leur descendance, donc de ce peuple, de cette tribu, un garçon qui entraînerait la chute du roi d'Égypte, Pharaon. Les récits circulaient. Donc, ceci venant sûrement, Allahu A'lam, du roi d'Égypte qui désira Sarah. Sarah qui était l'épouse d'Ibrahim, mais qu'Allah Azzawajal préserva. Ça, on verra quand, Inch'Allah, on verra l'histoire d'Ibrahim. Sarah, donc c'était sa femme, et le roi d'Égypte de l'époque, pas le Pharaon ici de Moussa, mais un autre, désira cette femme-là. Et yani, si c'était l'épouse d'Ibrahim, c'était l'épouse d'Ibrahim, mais s'il le savait, yani, il aurait tué Ibrahim, il aurait voulu en tout cas s'attaquer à lui, parce qu'après les prophètes sont préservés, bien sûr, alhamdoulilah, mais il aurait voulu lui faire du tort ou lui faire du tort à elle. Et il a dit que c'était sa sœur. Il n'a pas menti, on apprend ici une règle, c'est une petite parenthèse concernant l'histoire d'Ibrahim, on apprend ici une règle, c'est qu'il est permis dans un cas de pour se préserver d'un mal, de dire quelque chose qui a un double sens. Ça, c'est pas permis dans le quotidien. De faire comme ça, jouer avec les mots pour faire croire ceci à cela, à ton frère, à ta sœur, bien intentionné envers toi, et tu veux le manipuler un petit peu, le mettre, lui faire la girouette comme ça, tu sais pas trop quoi penser de lui. Non. Mais quelqu'un de méchant qui te veut du mal, tu lui dis cette phrase-là. Comme Ibrahim a dit à ce roi-là d'Égypte, c'est ma sœur. Effectivement, c'est sa sœur en Allah. Mais lui, visait c'est ma femme, en disant c'est ma sœur. Moi, je peux dire de mon épouse, c'est ma sœur. C'est ma sœur en Allah. Moi j'ai visé ça, mais l'interlocuteur il a compris autre chose. Bon, bref, donc ces récits étaient donc attribués à Ibrahim, et il y avait oui dire dans ces récits que naîtrait une descendance, donc Moussa, un garçon qui entraînerait la chute du roi d'Égypte. Ah. Et donc cette bonne annonce célèbre chez Bani Israël circula parmi les Coptes. Je vous disais, il y avait aussi les chrétiens Coptes à l'époque, et ça circula par là-bas. Et il finit par parvenir aux oreilles, bien évidemment, de l'intermédiaire, d'un intermédiaire qui est revenu à un de ses émirs et ses chefs qui veillaient auprès de lui. Ainsi, Pharaon ordonna de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël par précaution. Mais la précaution ne préserve pas du destin, on le voit ici. Encore une fois, là on peut s'arrêter, il y a une règle importante. C'est même plus dans l'histoire prophétique, c'est carrément dans le commentaire d'Ibn Kathir. Vous savez, Ibn Kathir explique le Coran. Et Inch'Allah, j'explique la parole d'Ibn Kathir. Alhamdulillah. On pourrait encore quelqu'un d'être expliquer ma parole par-dessus. C'est ça que servent les détails et les gens, Inch'Allah, qui se mettent dans la science. D'accord? Mais sinon, à ce moment-là, on dirait aux gens, il y a des livres, allez les consulter. Débrouillez-vous, tout est dedans. Allez, on est tous au même niveau, on est tous des savants. Ou on est tous des ignorants, à vous de choisir, mais on est tous au même niveau. Il n'y a pas. Cher Faouzan, ou toi, ou lui, mais pareil. C'est pareil. Pourquoi on va se casser la tête à expliquer? Il y a tout qui est écrit. Une personne va lire la phrase et elle va rien comprendre. Une personne va comprendre le sens contraire. Vous avez compris? Une personne va comprendre, mais on va déduire qu'une règle. Une autre personne va en déduire trois règles et ainsi de suite. Vous avez compris? Alors c'est grave quand une personne comprend l'inverse, et ça arrive beaucoup. Il lise une phrase. Subhanallah, je ne parle pas de celle-là particulièrement. Il lise une phrase comme ça, mais il a compris que l'inverse. Subhanallah, il a compris tout l'inverse. Donc toi, tu lui réexpliques, ça ne veut pas dire ça. Alors des fois, ils lisent le Coran, les gens ne le comprennent pas. Enfin, le Coran, la traduction des sens, cette traduction des sens des versets du noble Coran, donc en français. Ils ne comprennent pas des livres de science. Ibn Taymiyyah, il a dit ça. Tu dis, mais non, ça ne veut pas dire ça. Le shir explique ça comme ça, parce que selon l'autre livre qu'il avait écrit, la règle qu'il a déjà expliquée. Voilà, c'est long la science, c'est long. Et donc, on a toujours besoin qu'on se fasse expliquer. Ibn Kathir nous explique, mais si je tiens ça. Aussi des cours des frères de la voie droite, mashallah, que ce soit Ibrahim ou bien Sadek, qui nous réexplique ça par-dessus, alhamdoulilah. Puis toi, après, avec des livres que tu as pu lire aussi à droite et à gauche, ou une assise que tu as été, et t'entends comme ça, et du coup, après, tu as une explication claire de cette affaire. Claire. Donc la précaution, tous ces mots pour dire, la phrase, la précaution ne préserve pas du destin. Qaddar Allah wa masha fa'al. Le destin, c'est le destin. Le qadar, c'est le qadar. Tu peux pas. Tu fais tes causes, tu fais tes précautions si tu veux, mais ça préserve pas du qadar, du destin. Quoi que tu fasses. Lui avait un châtiment qui devait s'abattre sur lui. Il a pu tenter, et on va le voir, à quel point Allah Azzawajal va le... Parce que Allah Azzawajal, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui dirige, qui a établi le qadar, le destin, etc. On va voir comment Pharaon va se trouver manipulé et, on dirait,
pris, il va vouloir ruser, mais il va être pris dans sa propre ruse. On va le voir avec l'histoire de Moussa, notamment avec l'histoire de l'allaitement. Et en vérité, c'est lui qui est feinté. Il veut feinter, mais c'est lui qui est feinté. C'est lui qui est, hein, il a voulu humilier les gens, c'est lui qui est humilié, hein. Il a voulu, à titre de précaution, soi-disant, tuer tous les garçons. Ça n'a pas empêché Moussa de naître. Le qadar doit s'accomplir. Aussi, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Il y avait l'histoire, là, comme il y a eu l'incendie à Londres, Allah Moustarène, là, dans l'immeuble. Le récit, je crois, le récit. On a rapporté qu'il y avait quelqu'un, c'était un réfugié syrien. Il a quitté les bombes, les mitraillettes, et les ceci et les cela, et les bombardements, et que sais-je, traverser tant ça pour aller quoi ? Pour aller mourir en Angleterre. Quand c'est ton temps, quand c'est ton terme, c'est ton terme. Y a pas, tu peux pas, tu fais les précautions pour te préserver de ceci ou de cela. Tu peux pas fuir les choses qui t'arrivent en bien comme en mal. Ça, c'est Allah Azzawajal qui est maître de ce décret-là. Donc, il a voulu, avec tout ce qu'on a expliqué ici, il a voulu tuer tous les nouveau-nés mâles, surtout tous les garçons. Faut pas qu'il y en ait un qui passe. Parce qu'il y en a un qui va vouloir me faire du mal. Mais si ça a été rapporté dans les traditions prophétiques, oui, qu'il est bête. Si c'est rapporté dans les traditions prophétiques, c'est que ça va arriver. Et lui, il veut se prémunir contre le destin. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Soudé rapporte, d'après Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres, que Fir'aun vit en rêve un feu, hein, venant de Beit el-Maqdis, brûlant les demeures d'Égypte et les Coptes, mais sans frapper les enfants d'Israël. Alors à son réveil, il fut effrayé. Il réunit ses devins et ses magiciens et tous ces koufars-là et il les interrogea à ce sujet. Ils lui dirent, certes, un enfant naîtra parmi eux et ce sera la cause de la chute du royaume d'Égypte. Point. On ne peut rien y faire. Comme ça. C'est pourquoi alors il ordonna de tuer tous les garçons et d'épargner les filles. Parce qu'il a pensé pouvoir... Alors que même ces magiciens, devins ou cela, comme on a vu, ils n'ont aucun pouvoir. Ça, on l'a vu dans le Kitabu Tawhid, ils n'ont aucun pouvoir de connaissance de l'invisible, ils travaillent avec les djinns, ou alors ils connaissent les histoires ici connues, là il lui a raconté ce rêve là et c'est des choses qu'ils connaissaient ces gens là au vu des histoires chez Bani Israël, hein. Le rêve que t'as, c'est un mauvais présage, le rêve que t'as vu c'est nécessairement une prophétie chez eux, en tout cas ils en parlent, qui va se réaliser. Lui là, il a cru qu'il allait éviter ça, il a cru qu'il allait éviter un avènement divin comme ça. C'est pas possible, vous voyez la bêtise des tyrans qui pense vraiment être au-dessus d'Allah, finalement. Il pense ça. Donc il a dit, on va tuer tous les garçons et épargner les filles. Fais comme bon te semble, Fir'aun. Mais sa fin fut terrible. Allah Ta'ala dit, dans Sourate Al-A'raf, au verset 137, nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre, c'est-à-dire les enfants d'Israël, et faire d'eux des guides, qu'ils deviennent les héritiers, c'est-à-dire ceux à qui sera donné le royaume d'Égypte et ses terres, hein, faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers. Donc, à eux, Bani Israël sera donné le royaume d'Égypte et ses terres, après qu'ils soient passés dans les mains de Fir'aun. Nous voulions également les établir durablement et faire voir à Fir'aun, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. C'est-à-dire, nous ferons du faible un fort, du dominé un dominant et du méprisé un noble. Et tout cela s'est réalisé chez les enfants d'Israël. Naam, comme on va le voir dans la parole d'Allah suivante. Mais avant cela, je m'arrête ici. Et c'est pour ça qu'on doit placer notre confiance en Allah. On en a déjà parlé. J'avais fait une longue allocution dans un cours. Je l'avais même coupé. Je crois que je l'avais mis en ligne. Hein, je ne sais plus c'est quoi le titre pour le coup. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais quand j'avais dit qu'il fallait y en avoir de la fierté d'être musulman, de l'amour propre. D'accord. Et justement... J'avais cité ça parce que c'est une histoire que j'avais prêchée, mais pas sur Internet, en dehors. Et j'avais exposé les mêmes arguments que j'avais redit après dans une partie du cours. Et là, on est encore au même point, je redirai la même chose. On tire comme leçon de cette histoire de Moussa et de Bani Israël qu'Allah Ta'ala donnera toujours la victoire aux croyants qui s'accrochent. Et que, oui, nous sommes faibles, oui, nous sommes dominés, oui, nous sommes méprisés, mais il n'y a pas de quoi verser toutes nos larmes. Comme une fois m'a dit mon chir, si tu dois pleurer, pense à Yom Kiyama. Il n'y a rien de pire. Ni la maladie, ni la prison, ni la mort des proches, ni ce que tu veux, ni la pauvreté, ni tout ce que tu veux dans le dunya. Si tu vas vraiment souffrir, pleurer, avoir peur, c'est Yom Kiyama. C'est une phrase qui m'est restée. Yom Kiyama, c'est pour ça que tu dois t'inquiéter. Tout ça là, comme il dit, c'est rigolade. Frisette. Rien. Nada. Walou. C'est rien toute cette dunya. Tout ce qui peut arriver. Ça, c'est parenthèse fermée. Et
Ici, donc, on doit pas paniquer, hein, et toujours se rappeler que oui, nous sommes faibles, donc oui, nous sommes dominés, oui, nous sommes méprisés, mais ça, c'est qu'un temps, et qu'Allah donnera la victoire aux croyants, et fera retourner, on va dire, les choses. Hein, la mesure des choses va se retourner. Donc aujourd'hui, on voit un tel ou un tel, et les koufars, ils dirigent, et ils ont le pouvoir, mais ça, c'est ce que tu vois avec tes yeux aujourd'hui. Il faut voir, il faut méditer ces histoires prophétiques en se disant, c'est déjà venu, et en plus, ça a été annoncé. C'est pas Rassim qui dit, à mon avis que, c'est des promesses, c'est des annonces. La fin heureuse sera au pieu. Le Mahdi, l'avènement de Issa, c'est une réalité. Donc il faut patienter. Il faut patienter. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens, en vrai, des musulmans. Je ne comprends pas leurs paroles parfois. C'est même plus la déprime. C'est du couffre. Vous comprenez la différence entre déprime et couffre? Des fois, tu peux ne pas avoir le moral au vu de tout ce que tu vois devant. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Pire, on ne dit pas que la promesse d'Allah est mensonge. On ne dit pas que la promesse d'Allah est mensonge. Allah a promis que toute cette terre-là, hein, sera dominée par les musulmans. Et qu'il y aura la paix. Et des périodes, il y en a de grandes après, bien sûr, de nombreuses guerres, mais la paix et la sérénité et la justice. Notamment avec la venue, je me dis, du Mahdi, puis de Isa qui tuera le Dajjal. Donc si tu as ça en tête, comment tu peux outre mesure t'inquiéter? T'en entends parler des musulmans, des fois t'as l'impression que c'est Shaitan qui va gagner, le Dajjal, il va, oh là là, ils sont partout, ils font ci, ils font ça, subhanallah. Elle est où ta confiance en Allah? Elle est où ton espoir en Allah Ta'ala? Quelques épreuves, ces gens-là, ils sont bénis dans les émotions, parce qu'ils passent leur journée sur Facebook à regarder des vidéos de maman syrienne qui pleure avec des enfants qui lui manquent un bras à côté d'elle, dans ses bras. À quoi ça sert de faire ça? Tu l'as aidé déjà? Rien. Ses émotions, y montent et elle déprime. Et du coup, elle doute de la promesse d'Allah et elle vient toute ramollie, cette personne musulmane-là. Toute ramollie. Wallah, ou alors, il y en a qui dérivent, ils veulent pas se ramollir, alors ils prennent des armes et ils disent, ah bah nous, on va aller faire justice, venger. Quelle vengeance, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a à voir le monsieur ou la dame dans la rue qui est ni parmi les mécréants, certes, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ce que cette mère syrienne, elle vit? Il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Et puis, les histoires, on en a parlé dans l'audio sur le djihad et le terrorisme, les histoires de guerre, de ceci, cela, ça doit être réglementé, légiféré, c'est pas comme ça. T'es pas le Mahdi, t'es pas Issa, donc reste à ta place, sois bien gentil. Arrête de faire du tort à l'islam en voulant crier partout et semer le trouble et le désordre. Reste à ta place, tu seras plus utile en faisant des doigts. Wallah, il y en a, il faut pas qu'ils bougent. Et il y en a, leurs mots, ils devraient aussi se taire. Là, c'est carrément, ils ne devraient même pas parler. Parce qu'ils prononcent des paroles de couf. On avait vu des choses du style, avec tout ce qui se passe, certes, il se passe des choses graves, certes, il y a des choses difficiles, mais on voyait des gens qui prononçaient des paroles, voilà, vraiment d'émotion du style, oh Allah, amène la fin du monde, j'en peux plus, mais subhanallah, vous imaginez? Vous imaginez le genre de paroles? Parce que, voilà, c'est regarde des choses, même sans regarder, on sait ce qui se passe, c'est difficile, mais c'est le désespoir total, t'as l'impression que ça y est, les koufars, ils ont gagné. Cette personne-là n'a aucune chance. Déjà, elle ne sait pas lire les histoires prophétiques. Pourtant, c'est les premiers à dire « Nous aimons les prophètes, Moussa ceci, Mohammed, Aïssalam cela, et Maoulid et compagnie. » C'est les premiers. Mais ils connaissent des histoires que le récit. Ils n'en ont pas tiré des éléments. Vous voyez, on a lu que deux pages. Et on est déjà à 35 minutes de cours. Parce qu'il y a à appuyer. Il faut que ça rentre dans les esprits. Il faut que cette histoire de Moussa nous serve de leçon. Là déjà, sur le fait que les choses se retournent. Qu'Allah donnera forcément la victoire aux pieux. Encore faut-il être pieux. Donc pour revenir à la victoire, à la suprématie, revenons au Tawhid et à la Sunna. Sans quoi, il n'y aura rien. Sans quoi, il n'y aura rien. Il y a aussi une leçon, mais ça c'est plus tard, Inch'Allah, quand il sera face à la mer, Moussa, avec son bâton, avec cette histoire de Tawakkul. Il a eu une grande confiance en Allah, il a fait la cause, mais il a surtout placé sa confiance en Allah très fortement, et ça a payé, et c'est payant. Donc faut qu'on... aussi qu'on en tire des leçons par rapport à la confiance en Allah. Oui, c'est des points vraiment dans l'ibadat, dans l'adoration, dans la confiance, dans ce qui va se passer. C'est très, très important tout ça. Très important. Hein? Et Allah secourt quand on secourt sa religion. Allah, il secourt les croyants. Mais il faut qu'on secourt sa religion aussi. Secourir sa religion, c'est mettre en pratique le tawhid et la sunna, n'est-ce pas? Pas quand on secourt son honneur. Pas quand on secourt ses biens. Ou pas quand on secourt sa terre. Si ton unique but, c'est secourir ta terre, tes biens ou ton honneur, hein,
Oui, je parle de la Palestine, notamment. Il n'y a pas de secours. Ils ne sont pas sur le tawhid et la sunna. Ils veulent s'ouvrir autre chose que la ilaha illallah. Ça ne paye pas. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la réalité. C'est la réalité. Et les gens du faux les encouragent à se faire massacrer en continuant à se battre pour des oliviers, c'est ça ? Mais on s'en fiche des oliviers. Pas, fais la hijra, apprends le tawhid à tes enfants, revenez en tant que croyant monothéiste et vous verrez le changement. Je sais pas. On en a parlé encore une fois, ça, dans l'audio aussi sur l'Arabie Saoudite. Et sur la Syrie, sur la Palestine. Mohammed al-Sallam, meilleur des hommes, Mecca, meilleur des terres. Il est parti ou il n'est pas parti ? Il n'est pas resté parce qu'il y avait des dates qui poussaient. Donc on entend des fois des choses, ils s'accrochent à leurs oliviers, c'est tout ce qui reste. Mais partez ! Il faut massacrer sa famille pour rester pour des oliviers ou pour des fabriques de je ne sais quoi. Il ne reste rien de la Palestine. Et le tyran en face, il grossit. Par sagesse, hein, Allah est capable de toute chose et il laisse faire ces choses-là. C'est par sagesse, je vous dis, des fois il y a même des paroles de couf, du style. Mais en gros, que fait Allah ? Allah ne voit-il pas ce que font les injustes ? Pourquoi Allah n'intervient pas ? Des phrases comme ça. Tu te demandes en fait, les gens, dans l'Aqidah, elle est où ? Comme si Allah il voyait pas. Subhanallah, astaghfirullah. Comme si Allah, il aimait les injustes, il les laissait faire. Et astaghfirullah, c'est grave. C'est du kufr akbar, tu es mécréant. Une telle pensée comme ça, tu es mécréant. Mais ils se rendent pas compte en fait. C'est pas un simple péché, tu peux forniquer 10 fois avec ta mère, c'est moins grave. Il faut que les esprits se réveillent un peu là. C'est grave de penser comme ça. Allah, il a pas vu, il est pas attentif, subhanallah, il aime les injustes. Non mais subhanallah, il voit très bien, il est pas avec les injustes, mais il y a une raison, il y a une sagesse. Personne ne s'est demandé pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de secours ? Il s'agirait de se remettre en question. Hein ? C'est pas de la haine envers nos frères palestiniens, c'est au contraire. Il faut qu'ils changent, comme on l'a dit. Il faut qu'ils changent, mais qu'ils se réforment. Inch'Allah, bien sûr, avoir la victoire. Mais c'est pas en s'attachant à Dounia ou à des choses comme ça qu'on s'en sortira. Wallahu a'lam, en tout cas, c'est des doigts pour eux, des doigts pour la guider. Hein. Le tawhid et la sunna avant toute chose. Les oliviers et tout ça, on s'en fiche. Oh, on s'en fiche. C'est le tawhid qui doit rester entre nous et nos frères et sœurs. On a des fois à faire des quêtes pour faire perdurer une petite usine en Palestine. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Convainc-les de faire la hijra et d'apprendre kitab ou tawhid. Wallahi, tu veux te rendre utile. Convainc-les de partir. Faire perdurer des usines. À Raza. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Je ne comprends pas. Tout ça pour dire, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais on le redit, ça fait pas de mal. Tout ça pour dire que on doit garder donc, l'espoir, le bon soupçon vers Allah Azza wa Jalla et tirer des leçons de ces histoires notamment, en sachant que tôt ou tard, le faible sera fort, bien sûr le croyant, dominé, dominant, méprisé, noble, et inversement. Tous ces gens-là qui dominent le monde, ici-bas, avant, et dans l'au-delà, ils vont goûter à un avilissement profond. Je le sais, c'est Allah qui l'a dit, Allah qui l'a promis. Allah est la meilleure des paroles, la meilleure des promesses. J'attends seulement. Rien un temps, comme on dit, rien un temps, et on attend seulement. Donc, Allah Ta'ala donc, a dit cela, et ça s'est réalisé, comme dans la parole d'Allah, Sourate Al-Shu'ara, et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies aux gens qui avaient été en esclavage, donc Bani Israël. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Vous voyez comme c'est clair, le verset il est clair et limpide. Bah, méditez-le avec notre situation à nous. Ça vous réconfortera. Autre verset, Sourate Al-Ghafir. Ainsi, nous les avons fait quitter des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi. Et nous les avons donné en héritage aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Nous détaillerons cela un peu plus loin, Inch'Allah. L'essentiel étant que Pharaon prit des précautions afin. Donc, Ibn Kathir, il dit, on détaillera un peu plus loin parce que là, c'est la victoire, donc c'est à la fin. Quand tout ça va être attribué et quand ils vont être en déroute et en perte. Donc, on détaillera tout ça, Inch'Allah, plus tard. L'essentiel ici, c'est que Pharaon, il a pris des précautions afin d'empêcher la naissance de Moussa. Mais ça, on voit que ça sert à rien. Au point de charger des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître leur date d'accouchement. Et si une femme mettait au monde un garçon, il l'égorgeait sur le champ.
Selon les gens du livre, Pharaon ordonna de tuer les garçons afin d'affaiblir les enfants d'Israël et qu'ils ne puissent pas se soulever s'ils combattaient. Mais cela est discutable, voire dénué de tout fondement, car cela se produisit alors que Moussa était déjà prophète. Allah Ta'ala a dit dans la sourate Al-A'raf au verset 129 « Puis quand ils eurent rapporté la vérité de notre part, ils dirent « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez-les et laissez leurs filles. Mais les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. » C'est pour cela que les enfants d'Israël, en fait, ils ont dit à Moussa dans le verset dans la suite du verset, ou plutôt non, Al-A'raf c'est le prochain, et celui que je viens de citer, pardon, c'était Rafir. J'ai tout mélangé à cause des notes de bas de page. Je me suis trompé de page. Le premier verset c'était surat Al-A'raf, au 137. Ensuite, l'autre c'était Shu'ara, et là c'était Rafir. Donc là, c'est de nouveau Araf, mais au verset 129, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Ça, c'est ce que Bani Israël a dit à Moussa quand ils l'ont vu en tant que prophète. « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Ce qui est authentique, donc, est que Pharaon a ordonné une première fois de tuer les garçons pour prévenir la naissance de Moussa. Après, Moussa est né, mais lui, il voulait continuer quand même. Même après, il y a l'avènement de Moussa, parce qu'il n'a pas su tout de suite qu'il était prophète, forcément. Il ne l'a pas su de suite, on va le voir dans l'histoire. Ainsi, dans le destin, donc, ici il y a une phrase, elle ne me plaît pas du tout, voilà pourquoi je ne l'ai pas lue, c'est pour ça que j'ai cherché mes mots, elle ne me plaît pas du tout dans la traduction, c'est pas correct, c'est même du shirk. Il y a marqué, ça c'est les traductions malheureusement en français, il faudra le signaler à Taouba, édition Taouba, là c'est pas correct. Il y a marqué, ainsi le destin dit... « Ô toi, le despote est trompé par sa grande armée, l'étendue de son pouvoir, etc. » Le destin, il dit rien du tout. Le destin, c'est une créature soumise à l'arsenal. Le destin, il dit pas. Le destin, il s'exprime pas, il dit pas des choses. Yanni, c'est pas correct. C'est comme dire... le destin fait que. Le destin a voulu que. Le destin ne veut rien, le destin ne fait rien. Le destin est une créature soumise à l'arsenal. Le qadar Allah, c'est le décret d'Allah. Le qadar n'agit pas. Il parle pas, il fait pas, il veut pas. Les gens, ils ont des expressions comme ça, c'est shirk. Cher Soria, Abdelaziz Al-Shir, Naam, Afidallahu Ta'ala, il a dit, c'est des paroles mauvaises et détestables. Ça se voit que celui qui dit ça, il connaît pas Allah, il connaît pas le Tawhid. Il y en a même parmi les gens de la Sunna, ils vont dire. Et ben, Yarni, c'est un ignorant. Yarni, c'est un ignorant, c'est tout. Il faut qu'il apprenne. Quand on fait le rappel, il y en a, ils se gonflent d'orgueil en disant, mais je ne vise qu'Allah. Oui, on lui citera alors l'argument des polythéistes qui se prosternent devant des statues. Ou des tombes et qui disent « Nous ne visons qu'Allah, nous prenons des intermédiaires. » Donc là, tu prends l'intermédiaire du destin pour viser Allah. Donc tu ne vaux pas mieux que les polythéistes. Khlas ! Normalement, quand il y a une parole comme ça, c'est clair, c'est tranchant et t'arrêtes. Qu'est-ce que ça peut te faire de continuer à dire « Le destin a dit que, le destin veut que, le destin... » Arrête ! On te dit que ce n'est pas correct, c'est Allah qui fait tout. Et les gens, ils s'entêtent, ils veulent dire quand même, subhanallah. Pourtant, il y a... Ah, c'est... Kibr, nefs, c'est difficile. C'est difficile. Donc moi, j'aime pas cette phrase-là. Ainsi, le destin dit, je dirais plutôt, les faits sont là. Les faits sont là. Et voilà, je suis obligé de tout changer ce qui est écrit parce que ça ne me plaît pas du tout. Donc le destin ne dit rien et plutôt les faits existent. Et ce qu'on voit, c'est que le roi despote est trompé par sa grande armée et l'étendue de son pouvoir. L'immense Allah Ta'ala qui n'est jamais vaincu et qu'on ne peut réduire à l'impuissance et au décret duquel on ne peut s'opposer à décider que ce garçon duquel tu te protèges, toi Pharaon, hein, et contre lequel tu as tué un nombre incalculable de gens, et pas que des enfants, sera certes élevé dans ta maison et sur ta couche. Donc non seulement Pharaon, il va naître ce garçon que tu as voulu massacrer, et t'en as massacré plein pour essayer de le viser lui, il va naître ce garçon, Moussa, c'est qadar Allah. Et c'est pas le destin qui dit, c'est Allah qui veut surtout. Subhanallah. Donc non seulement il va naître, mais il va être élevé dans ta maison. Car on va le voir, il va être recueilli, Moussa. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Moussa, il va être recueilli par la femme de Pharaon, Asiya. Il aurait eu Pharaon, lui, il l'aurait encore égorgé, il se serait débarrassé. Lui, c'était un mauvais de toute façon. Mais sa femme, Asiya, on va le voir plus tard, Inch'Allah. Donc il a été non seulement recueilli, dans sa maison, sur sa couche, puisqu'il le fait, il l'alite forcément, il le met au lit,
Il consommera de ta nourriture et de ta boisson dans ta demeure. Il mange aux frais du roi. Hein? Et c'est toi qui vas l'adopter, l'éduquer et le faire grandir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu voulais le tuer, il va naître, en plus tu vas t'en occuper comme de ton enfant. Allahu Akbar. Vous voyez comment ça se retourne. Hein, il veut ruser, il veut faire. Comment ça se retourne contre lui? Subhanallah. Ça, c'est... On doit être fasciné par rapport à ça. On ne doit pas simplement le lire. Oh, c'est une belle histoire, l'histoire de Moussa, c'est joli. On doit être fasciné. On doit se dire, subhanallah, c'est vraiment alors, c'est une démonstration, je le savais. Je le récite, je le dis, qu'Allah est capable de toute chose. Hein, il est à la coulichine, on va dire, comme on dit. Il est capable de toute chose, il est omnipotent. Mais là, j'ai un exemple concret. Donc ça veut dire que dans toutes mes situations de la vie, de ceci, cela, je m'imagine, et surtout je me certifie, même si c'était déjà certifié, mais je me convainc vraiment, et c'est sous mes yeux qu'Allah est capable de toute chose. Ça fait monter la foi directement. Directement. Vous voyez l'importance de détailler les histoires prophétiques. C'est des bijoux. Bah, c'est le Coran, de toute manière, c'est le Coran. En fait, là, on fait que du tafsir, en vérité. On fait du tafsir du Coran, ni plus, ni moins. Puisque l'histoire prophétique se trouve dans le Coran. C'est des bijoux. Ha, subhanallah. Donc, Fir'aun, il s'est vraiment fait... Il a voulu ruser, mais... Certes, Allah est meilleur en ruse. Et sans qu'il s'en aperçoive, arrivera par lui sa perte, dans ce monde et dans l'au-delà. C'est bi'ibnillah, par la cause de Moussa, que Fir'aun va se voir chuter ici-bas et dans l'au-delà. Et cela pour t'être opposé, Fir'aun, à ce qui t'est parvenu de la vérité claire, pour avoir renié ce qui lui a été révélé. Et Fir'aun, tu sauras, toi et toute la création, que le Seigneur des cieux et de la terre fait ce qu'il veut, qu'il est le fort, le détenteur d'un châtiment douloureux, et d'une puissance et d'une volonté qu'on ne peut repousser. Hein, ô toi, Fir'aun, qui te prenait pour, un dieu. Hein, et que tu reniais l'existence du Seigneur de l'univers, et que pour toi, c'était toi, le maître absolu. Là, je t'ai fait éduquer dans la douleur. Donc, un parmi les exégètes, c'est ceux qui ont fait le tafsir. D'accord ? Donc, un parmi les exégètes ont rapporté que les Coptes se sont plaints à Fir'aun, en fait, de la diminution du nombre des enfants d'Israël. Hein ? Donc, ils se sont plaints, les Coptes, qui pourtant n'aiment pas du tout Bani Israël. On va le voir dans l'histoire de Moussa, avec l'histoire de la bagarre notamment. Avec l'histoire de la bagarre, quand il a frappé un Copte. Et, parce que le Copte est en conflit avec un des Bani Israël. On le verra, Inch'Allah, plus tard. Donc, les Coptes ne les aimaient pas. Mais, ils se sont quand même plaints à Fir'aun, pourquoi ? De la diminution du nombre des enfants d'Israël, pas par miséricorde envers eux. Là. En raison de la mise à mort de leurs garçons, ils craignaient qu'avec la mort des vieillards et des nouveau-nés, donc de tous les hommes, ils naient à se charger eux-mêmes des tâches difficiles dont s'acquittaient les enfants d'Israël. Vous voyez, c'est pervers. C'est pas par miséricorde envers eux. On va avoir deux fois plus de boulot, nous. Donc ça, c'est pas correct. Donc ils se sont plaints à Fir'aun. Fir'aun, alors, il a changé de plan. Il leur donna alors qu'on ne tue les garçons qu'une année sur deux. Vous voyez, c'est imbécile profond. Déjà, il peut pas repousser le qadar. Mais maintenant, il se dit, bon, une année sur deux. Une année, on les laissera en grâce, les garçons. Une autre année, on va les tuer. À aucun moment, il se dit, Moussa va passer entre les mailles du filet. Là, c'est justement là qu'est né Moussa. Là, une année de grâce. Subhanallah. Subhanallah. Et même s'il avait fait toutes les années, il serait passé quand même, dans tous les cas, dans toutes les manières, bi'ibnillah. Donc, Fir'aun, il ordonna, alors qu'on tue les garçons qu'une année sur deux. Ainsi, on rapporte que Haroun, en français, on dit Aaron, ou Aaron, moi j'ai toujours dit Haroun, Aïssalem, je crois qu'on dit Aaron, ou quelque chose comme ça, hein. Coupez-moi si je me trompe. Aaron ou Aaron, ou Aalem. Haroun, en tous les cas, Aïssalem, il est né d'une année de grâce, et Moussa vint au monde l'année où les garçons devaient être tués. Mais il est né quand même. Il est né quand même. En vérité, je me suis trompé, c'est Haroun qui est né lors d'une année de grâce. Le frère de Moussa, Haroun, est né lors d'une année de grâce. Et Moussa, par contre, lui, il est né dans une année où les garçons, ils étaient tués. Mais il est passé quand même. On va voir comment. Je me suis trompé ici. Sa mère eut pour lui de la peur, de l'angoisse. Et elle prit donc ses précautions. Dès qu'elle tomba enceinte. Hein, et elle faisait en sorte qu'on ne voit pas chez elle les signes de la grossesse. Lorsqu'elle accoucha, on lui inspira. Donc, inspirer, ça vient d'Allah. C'est une inspiration divine comme a pu avoir Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. C'est pas une révélation, c'est pas une prophétie. La mère de Moussa, hein, noble femme, c'est juste une inspiration. D'accord ? C'est une inspiration, comme Mariam a été inspirée, etc. Donc ça, c'est
c'est à comprendre la différence entre inspiration et révélation. Hamt. Lorsqu'elle accoucha, on lui inspira de le mettre dans un couffin attaché à une corde. D'accord ? Et sa maison, sa maison donnait sur le Nil. Elle donnait sur le Nil. Donc, elle l'allaitait, et à chaque fois qu'elle craignait la venue de quelqu'un, un garde ou une arme, elle le mettait en couffin, et elle jetait le couffin dans le fleuve, tout en gardant le bout de la corde attaché à sa main. Donc, lorsque les gens partaient, elle le ramenait à elle. Elle faisait tout le temps comme ça, vous voyez, c'était difficile. Donc, c'est dans ce contexte-là que Moussa, il est né, dans l'angoisse et dans la peur. Chapitre de la peine de la mère de Moussa. La peine de la mère de Moussa. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Qasas, versets 7 à 9, « Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le grand fleuve. Ne sois ni apeuré, ni attristé, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Les proches de Pharaon le recueillirent afin qu'il soit pour eux un ennemi, une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient réellement fautifs. La femme de Pharaon dit « Cet enfant nous réjouira tous les deux. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être très utile et devenir notre enfant. » Et il ne pressentait rien. On va clarifier tout cet épisode, tous ces versets en détail. Cette révélation donc, et nous révélâmes à la mère de Moussa, cette révélation est en fait une inspiration, une orientation. Comme Allah Azzawajal a dit aussi dans Sourate An-Nahr, au verset 68 et 69, « Et ton Seigneur inspira aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres, les treillages, que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendu facile pour vous. De leur ventre sort un nectar aux couleurs variées, dans lequel il y a une guérison pour les gens. » Et il y a là vraiment une preuve pour des gens qui réfléchissent. On parle donc des abeilles, du miel, etc. Voilà pourquoi le miel, c'est souvent cité dans la médecine prophétique, c'est très 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 bon. Et c'est le seul aliment au monde, tenez-vous bien, qui peut se conserver entre 3500 et 4000 ans. Autrement dit, tu peux acheter du miel pour toute ta vie, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, si c'est bien conservé, walhamdoulilah. Ah, ajib, hein. Ajib, vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on pourrait manger du miel, si, il y en avait, bien sûr, j'ai bien dit si, peut-être que le prophète Hassan aurait mis, mis son doigt dans le pot. Ça aurait été possible. J'ai bien dit si, il ne reste rien, ni de des choses du prophète Hassan. Allahu a'lam, là-bas, c'est qu'il ne reste rien. Voilà donc, comme Allah Azza wa Jalla dit, il inspira aux abeilles. De même, la révéla à la mère de Moussa, c'est plutôt une inspiration comme ça. Il ne s'agit pas d'une révélation prophétique, comme l'ont prétendu faussement des savants, comme Ibn Hazm ou d'autres. Non, ce qui est authentique, et c'est le premier avis, d'accord, le plus fort et fondé, ainsi qu'on l'a rapporté notamment de Abul Hassan al-Ash'ari, d'après les adeptes de la Sunna, c'est que c'est une inspiration. Une inspiration et une orientation. As-Suhayli a dit que le nom de la mère de Moussa était Uyariha ou bien Uyadurth. L'un des deux. C'est-à-dire en français, Joshbed. En français, Joshbed. Donc Uyariha. Ouya Reha, ou bien Ouya Dhur. L'essentiel, le principal, c'est qu'on lui a inspiré ce que nous venons de rappeler, c'est-à-dire de ne pas être apeuré ou attristé, car même s'il s'en va, c'est-à-dire Moussa, même s'il part, comme dans le verset il suit, même s'il part chez Pharaon, Allah il va lui ramener, et Allah en fera un prophète, un messager, qui lui donnera la supériorité à son peuple, à lui, à tous les croyants, et surtout à la parole d'Allah, en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'était la bonne annonce. Alors elle a été apaisée et elle a été rassurée. Elle fit alors ce qu'on lui avait ordonné. Et un jour, elle le mit à l'eau en oubliant de garder avec elle le bout de corde attaché au panier. Le couffin fut alors emporté par les cours du Nil jusqu'au palais de Pharaon. D'où la particule, les proches de Pharaon le recueillirent afin qu'il soit pour eux un ennemi, une source d'affliction. Ibn Kathir ici fait une explication grammaticale pour montrer que le verset signifiait soit un châtiment, soit une conséquence. Les deux sont justes. Le deuxième avis est certes plus fort, car Allah Ta'ala dit « Pharaon, Haman, son infâme ministre, et leurs soldats. »
ceux qui les suivent étaient réellement fautifs. Donc en contradiction avec la vérité. C'est pourquoi ils ont mérité ce châtiment et ce malheur. Allahu a'lam. Les exégètes ont rapporté que les servantes l'ont alors trouvé dans le couffin, fermé sur les bords du Nil, et n'ont pas eu l'impudence de l'ouvrir, c'est-à-dire l'audace. Et se sont pas sentis de l'ouvrir, voilà, par respect pour Firaun et sa femme. Elles n'ont pas eu l'impudence de l'ouvrir jusqu'à l'apporter à la femme de Firaun, qu'on appelle Asiya bint Muzahim, Ibn Ubaid, Ibn Ar-Rayyan, Ibn Walid. Là, lui qui était le Firaun. Donc, Firaun, c'est un titre, c'est pas un nom. Parce qu'à chaque fois qu'on va dire Firaun, 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 yani, Firaun, c'est comme roi. C'est comme yani, calife. C'est, vous savez, c'est un titre ou président. C'est-à-dire Macron est président. Hollande était aussi président. C'est pareil. Donc, président, c'est comme Firaun. D'ailleurs, c'est pareil. Les pseudo-présidents, là, c'est comme des Firaun. Non. Ok. Et donc, le Firaun d'Égypte, en fait, de l'époque. Hein, le Firaun d'Égypte de l'époque, donc, Asiya était la fille, bint, fille de Muzahim, Ibn Ubaid, Ibn Ar-Rayyan, Ibn Walid, qui était, lui, un Firaun, un président, un roi, on va dire, d'Égypte, à l'époque de Youssouf. À l'époque de Youssouf. On verra tout ça en détail quand, avec le vizir, etc. L'histoire de Youssouf aussi, magnifique histoire, avec plein d'enseignements aussi dedans. Mashallah, qu'Allah nous facilite. Donc, on en reparlera de lui dans l'histoire de Youssouf. On dit également que cette femme-là, elle était issue des enfants d'Israël, de la tribu de Moussa, et pour d'autres, qu'elle était sa tante, ainsi que l'a rapporté As-Suhayli. Wallahu a'lam suivra plus tard les éloges et les louanges qui lui sont dues dans le récit de Maryam bint Imran, donc, c'est-à-dire Maryam, la mère de Issa, et elles seront toutes deux parmi les épouses du prophète Aïssa-Sem au jour de la résurrection. Là, elles seront toutes deux parmi les épouses du prophète Aïssa-Sem au jour de la résurrection. Parce que ce sont des femmes des plus vertueuses. Oui, pourtant, c'est la femme de Firaun. Mais quand même, elle a fini, et elle est Ernie, parmi les croyantes. Parmi les croyantes pieuses et vertueuses. Donc cette femme-là, Asiya, qui est pourtant la femme de Firaun. Donc on voit que parfois, il y a les deux qui sont mauvais, et parfois il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, parfois c'était l'inverse. Dans d'autres cas, c'était des prophètes, mais leurs femmes étaient mauvaises. Comme on parlera aussi de l'histoire de Noé, etc. Donc parfois, c'est la femme est pieuse, mais l'autre c'est un tyran. Parfois, c'est un messager, la femme elle ne suit pas. Et c'est comme ça aussi, encore une leçon, on le voit tous les jours. Parfois, il y a un frère, il fait des efforts dans son dîn. Il est, mashallah, il fait des efforts, la femme, au début, elle dit à sa croche, après, ça chute. Parfois même, ça apostasie. C'est déjà vu, hein. Et le frère, il est désemparé, il dit, j'ai rien vu venir au début, voilà, ceci, cela. Puis d'un coup, Allah guide les gars qui il veut. Vous avez fait les causes, on dit, un âme, mais elle ne voulait plus rien savoir. Bon, j'en suis séparé, j'ai divorcé. Parfois, j'ai reçu le cas là récemment, d'une sœur, Skina, et qu'Allah lui facilite, elle veut apprendre, elle veut avancer, elle a fait de nombreux efforts, on n'en doute pas, je ne la connais pas, mais je ne mets pas la parole en. Je ne remets pas la parole en question quand une personne vient me parler. Et elle s'est mariée avec un homme qui, soi-disant, sonni, suiveur des messagers, justement. Et puis rien. Rien, il la trompe, il ne prie pas, je ne sais pas si jeune. De toute façon, il en est, selon l'avis de beaucoup, il ne prie pas, donc son jeûne n'est même pas valide. Enfin bref, ce n'est pas le propos, mais. Et voilà. Donc parfois, oui, et pourtant elle est pieuse. Voilà, donc il y a des choses comme ça, donc je lui conseille de s'en séparer, bien évidemment. Elle n'a pas resté avec un tel homme, comme ont clarifié les savants, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc parfois c'est comme ça, mais elle, Asiya, c'était une noble femme. En ouvrant le couffin donc, et en retirant le voile, elle vit le visage de Moussa, resplendissant des lumières et de la majesté prophétique. Déjà, elle l'a ressenti cette chose-là. C'est pour ça qu'il y avait du bien en elle, en cette femme. C'est pour ça qu'elle est là, elle a été guidée. Elle a été guidée, que Yanni par la cause de Moussa, bien sûr, mais elle a été guidée. Elle le vit donc, et en le voyant,
elle ressentit d'emblée un amour intense pour lui. Lorsque Fir'aun arriva, il lui dit « Qu'est-ce que ça ?» Et il ordonna qu'on le tue. Mais Assia refusa énergiquement de donner le bébé. Elle le défendit en disant « Cet enfant nous réjouira tous les deux », comme dans le verset. Fir'aun lui répondit « Il te réjouira toi, mais pas moi. » C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cet enfant. Elle dit « Il pourrait nous être utile. » Allah lui accorda ce profit qu'elle espérait. En ce monde, Allah la guida à travers Moussa et dans l'au-delà, elle demeurera au paradis. Subhanallah. Donc effectivement, elle a vu juste. Elle a vu juste, elle a eu la bonne rahma au bon moment, à la bonne personne. Walhamdulillah. Ils l'ont donc adopté, comme le verset « ou alors il pourrait devenir notre enfant ». Ils l'ont donc adopté car il ne pouvait avoir d'enfant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. On verra donc est-ce que c'est Fir'aun Yanni qui est stérile ou si c'est elle. Il ne pouvait pas avoir d'enfant et Allah Azza wa Jalla a dit « il ne pressentait rien », c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'Allah réservait comme malheur, comme châtiment à Fir'aun et à ses adeptes à travers cet enfant. Tout ce qui va s'en suivre. Bon, ils ne sont pas méfiés, il a dit « d'accord, pas eu. » Les gens du livre prétendent que c'est la fille de Fir'aun, à savoir Darba, qui recueillit et a élevé Moussa. Et quant à la femme de Fir'aun, elle n'est pas du tout citée. Mais ça, certes, c'est une de leurs erreurs qui trahissent leur déformation du livre d'Allah, puisque dans le livre d'Allah, c'est cité explicitement. Et on va voir, Inch'Allah, le retour de Moussa chez sa mère. Et on va s'arrêter là, bi'idnillah, pour ce soir. Je pense que si on se limitait pas aussi, il n'y avait pas le futur, surtout je... Aussi, mon ventre m'appelle, je le reconnais. On continuerait très longtemps. Les histoires prophétiques, c'est comme ça. Quand on est dedans, on ne s'arrête pas. On a envie surtout de savoir la suite de l'histoire, la fin. C'est bien évident. Alhamdoulilah. Si ton cœur est apaisé, en tout cas, quand on écoute ça et quand on lit ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Tout comme quand on fait les cours sur le tawhid. Il n'y a qu'un cœur malade qui dit « Oh non, encore du tawhid. Oh, encore du tawhid. Je ne veux pas entendre ça. » Il y a un problème quelque part. Quand il y a les cours sur le tawhid, il doit se sentir apaisé. Et quand on cite les histoires prophétiques, de même. Donc on passe, mais Ednillah Azawajel, au chapitre du retour de Moussa chez sa maman, chez sa mère. Sourate Al-Qasas, toujours, versets 10 à 13. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets, le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle soit du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, la sœur de Moussa, lance-toi à sa recherche. Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices, à Moussa. Elle, la sœur de Moussa, dit donc, puis-je vous indiquer les gens d'une maison qui s'en chargerait pour vous en étant bienveillant à son égard? Ainsi, nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Oui. Ça, c'est un excellent exemple, ce verset, pour dire que, déjà, sans l'arabe, on n'est rien. En français, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lever la main et me dire, il va me faire un descriptif, une explication complète de ce qui est expliqué ici? On a des morceaux de choses, mais c'est vraiment le français, c'est vague, c'est flou. Comme on dit les ulama, 70% environ de choses claires, à travers un dars, une khutba ou le Coran al-Kirim. On n'a que 70% du sens. C'est pour ça que les takfiriyoun ou bien les tablir ou bien des ahbash aussi, ils sont là et ils lisent des copies du Coran en français. Ils comprennent rien. Ils ne comprennent strictement rien. Des fois, ils te sortent des sens. Tu tiens ça d'où? Et ils te citent le verset. Ah, j'ai compris ça de ça. Ya subhanallah. Non, rien à voir. Donc, c'est pour ça que c'est très important, notamment, de revenir à Ibn Kathir. Et qui dira qui Ibn Kathir, hein, de revenir à des explications pareilles et telles pour avoir une vraie compréhension là, des quelques versets. Là. Juste, Sourate Al-Qasas, versets 10 à 13. Hein? On a besoin de plus de détails que ce qu'on nous sort ici en français. Ceux qui ont l'arabe et qui connaissent bien l'arabe, là, ils peuvent méditer et bien comprendre les choses. Mais l'arabe, ça n'a rien à voir avec le français. Alors, avec une phrase, tu vas comprendre beaucoup plus de choses que là, la traduction t'est limitée. Vous imaginez que 70%, c'est énorme là, la perte. C'est énorme la perte. Qu'Allah nous facilite yani, progresser en arabe. Ibn Abbas, Mujahid, Iqrima, Saïd, Ibn Jubair, Abu Ubaïda, Al-Hassan, Qatada, Al-Dahraq,
Et d'autres, on dit à propos de la parole d'Allah, et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Concernant cette parole, hein, le cœur de la mère de Moussa devint vide, c'est-à-dire vide de toute chose de ce bas monde, sauf Moussa. Vide, meurtri, comme une mère qui a perdu son enfant. Elle s'inquiète pour lui, c'est tout à fait normal. Elle pense qu'à son enfant. Elle pense qu'à son enfant. Et ça, toute mère est comme cela. À part les mauvaises mères, les sorcières qui font du mal à leurs enfants. Comme on a entendu, bon, c'est surtout chez les koufars en général, ou bien chez des femmes des fois qui sont possédées, qu'Allah les guérisse et autres. Et toute mère saine, hein, qui plus est sur la sunna, elle a, et même parmi les koufars, c'est dans la saine nature en vérité, tant qu'elle n'est pas complètement folle, ni manipulée par Shaitan, toute mère, quelle qu'elle soit, a une extrême miséricorde pour son enfant. Hein, et si il arrive quelque chose à son enfant où il est perdu, tout ce bas monde, il est enlevé. Il est enlevé de son cœur, il n'y a plus que son enfant. Voilà pour ce qui a été dit de cette parole-là. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout, autrement dit, peu s'en fallut qu'elle ne dise quelle était sa situation et qu'elle cherche à le retrouver ouvertement. Hey, je suis la mère de Moussa, je suis Oum Moussa, je vais retrouver mon fils. Et donc, mettre en danger Moussa, etc. Mais, qaddarallahu ma shafa'al, ça ne s'est pas passé comme ça. Concernant la particule, si nous n'avions pas renforcé son cœur, c'est-à-dire... si Allah ne lui avait pas accordé la patience et la fermeté, ainsi qu'une foi ferme, donc, pour qu'elle soit donc du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, qui était donc sa fille aînée, la sœur de Moussa, lance-toi à sa recherche, et suis ses traces et cherche des informations. C'est ça que ça signifie. Hein? Elle l'aperçut alors de loin, et Qatada dit, elle le regardait comme si cela ne l'intéressait pas. Vous voyez, quand on essaye de... comment dirais-je? Quand on essaye de... d'observer quelqu'un, sans qu'il nous remarque. Tu passes, tu... et tu fais comme si... allez, la personne, elle t'intéresse pas. C'est pas la personne que tu veux regarder, en vérité. D'accord? Tu vas comme si, comme ça. Donc, elle est partie à sa recherche. Elle l'aperçut de loin, sans se faire remarquer. C'est pour ça qu'Allah, Azza wa Jalla, a dit, sans qu'il s'en rende compte. Sans que les gens du Fir'an, qui avaient détenu Moussa, sans qu'ils s'en rendent compte. En effet, lorsque Moussa, alayhissalam, fut dans le palais de Fir'an, ils voulurent l'allaiter. Ils ont voulu nourrir cet enfant, bien évidemment. Hein? Mais pas possible. Il refusa tous les seins, l'enfant. Il refusa tous les seins et rejeta toute nourriture. Cela les surprit. Ils cherchèrent à tous les moyens, par tous les moyens, de le nourrir. Mais en vain. C'est pour ça qu'Allah Azzajal l'a dit, nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Mais ça, on l'a lu donc dans la phrase avant. Comment le comprendre comme ça au détour du verset? On dit, lance-toi à sa recherche, elle l'aperçut alors de loin sans qu'il s'en rende compte. Puis d'un coup, nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. En français, comme ça, on ne peut pas comprendre. Qui avait compris? Qui avait compris? On a besoin des explications. Et en arabe, c'est complètement différent. En arabe, c'est un arabophone, lui, il aurait compris. Mais la traduction en français, c'est juste difficile. Donc nous lui avions interdit le sein des nourrices auparavant, c'est-à-dire, on l'envoya avec on l'envoya avec des... comment dirais-je? J'ai loupé une ligne. Donc, il cherchait par tous les moyens, oui, à le nourrir, mais en vain. Allah Azza wa Jalla a dit, donc nous lui avons interdit auparavant le sein des nourrices. Et il est soumis à Allah, le décret est là, il allait prendre aucun sein. C'est un enfant, il a faim, mais il allait prendre aucun sein. Obéissant. Il n'avait rien fait. Impossible. On l'envoya alors avec des sages femmes et des esclaves dans les marchés. Donc, les gens de Fir'aun l'ont envoyé comme ça là-bas, dans l'espoir de trouver, vous savez, une mère de lait, une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'ils étaient dans un marché, entourés par la foule, la sœur de Moussa, incognito, le vit. Mais elle ne montra pas qu'elle le connaissait, elle leur dit alors, « Puis-je vous indiquer les gens d'une maison qui s'en chargeraient pour vous, en étant bienveillants à son égard ?» Ibn Abbas a dit. Lorsqu'elle a dit ceci, ils lui répondirent, « Qui te dit qu'ils seront bienveillants à son égard ?» Elle répondit, « Bien... ils le feront dans l'espoir de réjouir Fir'an et de lui être utile. » Ils la suivirent donc jusqu'à chez elle. Sa mère, c'est-à-dire la mère de Moussa, le prit et elle lui donna le sein. Et là, ça a marché puisque c'est sa mère. Mais ils ne le savent pas. Mais là, ça fonctionne. Moussa, alors il s'en saisit et se mit à téter sa mère goulûment. Tu m'étonnes, pauvre enfant. Aïssalem, il avait faim, il avait soif. Il attendait, il avait le droit de manger, il y en a peut-être des jours comme ça, subhanallah al-azim. Il attendait pour manger. Quand sa mère lui a donné le sein, il s'en saisit et se mit à le téter goulûment. Il en fut
ils en furent, pardon, tous heureux. Les gens furent hommes. Et un émissaire courut vite annoncer la bonne nouvelle à Assia. Celle-ci donc appela la mère de Moussa et lui proposa de venir s'installer auprès d'elle. Mais la mère de Moussa refusa. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que l'enfant est revenu finalement à sa mère, comme promis, tout en étant bien sûr maintenant préservé. On va le voir juste après. Préservé de quoi? Pas de la menace. Puisque c'est censé qui? Être l'enfant d'Assia et de Fir'aun. Donc elle peut allaiter son enfant, vivre avec lui, se réjouir en toute tranquillité. Voyez le plan d'Allah. Voyez le plan d'Allah. Comment c'est agible. Comment c'est agible, c'est étonnant. Hein? Préservé du pire des tyrans, mieux. On va le voir, mieux. Elle va financer sa mère. Subhanallah. Donc Assia dit, viens habiter chez nous, la mère Moussa. La mère Moussa refusa en disant, j'ai un mari et des enfants. Et je ne peux l'allaiter que si vous l'envoyez avec moi. Elle le prit donc avec elle et reçut un salaire et des présents. C'est ainsi qu'elle rentra avec lui et qu'Allah les réunit. Donc elle a dit comme ça, je peux pas, Yanni, j'ai un mari, j'ai des enfants. Et je veux bien l'allaiter, mais il faut qu'il soit avec moi. Donc Assia et les gens de Fir'aun ont dit d'accord, reprends-le. Et puis tu nous aides. Donc on va te donner un salaire. Tu vas être riche maintenant et des cadeaux, des présents. Donc elle rentra avec son enfant, plus garni de l'argent, et Allah les a réunis et les a enrichis. À méditer, n'est-ce pas? À méditer. Face à un tyran. C'est Allah qui fait, c'est pas le tyran. Sachez encore une fois, Allah il enrichit qui il veut, il guide qui il veut, il donne à qui il veut. Ça, je vous laisse vraiment méditer par rapport à vos cas, à vos situations. C'est très important. Allah Ta'ala a dit, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Nous lui avons promis qu'il reviendrait, et le voilà. Et c'est là une preuve de la véracité de la bonne annonce de sa prophétie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah a rappelé cette faveur à Moussa d'ailleurs, le jour où il s'adressa directement à lui, de vive voix donc. Il lui a notamment dit, « Nous t'avons déjà accordé nos bienfaits une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, mets-le dans le couffin. » Puis jette-le dans le fleuve, qu'il le ramènera vers la rive. Mon ennemi et le sien le recueillera. C'est-à-dire mon ennemi et le sien, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de Moussa. Et j'ai répandu sur toi mon affection, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Dans ce verset, Alhamdulillah, Mashallah, Sourate Taha, on a donc le rappel à Moussa d'être pas ingrat, d'être reconnaissant, car il a été préservé, recueilli, et le plan d'Allah s'est accompli sur lui. Puis après ça, prophétie bien sûr. Et ça, on le retient ici. Aussi, donc toujours la fois où Moussa, Allah lui a parlé de vive voix, donc encore un point d'Aqida, aussi la fois, ou plutôt la partie du verset où il dit « J'ai répandu sur toi mon affection afin que tu sois élevé sous mes yeux ». On apprend ici donc « mes yeux », Allah il a des yeux. Comment sont ses yeux? Wallahu a'lam. Est-ce qu'elles sont comme les nôtres? Là, on ne fait pas l'anthropomorphisme comme ils disent, ils nous accusent, c'est faux. Elles ne sont pas comme mes yeux, jamais. Ils sont comment? Je ne sais pas, Allahu A'lam. Est-ce qu'on interprète les yeux d'Allah par sa pleine connaissance de tout? Non. Il a bien des yeux. Il l'a dit. Il l'a dit. Il n'a pas dit élevé sous ma connaissance, il a dit élevé sous mes yeux. Comment ça, il démonte Allah Ta'ala? Non. Et là, la traduction, elle est claire. C'est ça. C'est en arabe, c'est ce mot-là, c'est mes yeux. C'est pas une mauvaise traduction. Donc, oui, d'un verset, on peut en déduire plusieurs choses, dont des points de croyance également. Ainsi, toute personne qui le voyait, l'aimer, afin que tu sois donc élevé sous mes yeux. Il est sous les yeux d'Allah, donc toute personne est forcément en admiration, en amour sur lui. Qatada et d'autres plus précesseurs ont dit, tu mangeras les meilleurs mets et tu porteras les plus beaux habits sous mon regard, car tu es sous ma protection et j'ai décrété pour toi ce dont moi seul est capable. C'est-à-dire, il y en a des propos donc d'Allah Ta'ala. Donc Moussa a mangé ce qu'il y avait de mieux et il sera parmi les plus riches et les plus préservés et protégés. Soit Taha au verset 40 aussi, lorsque ta sœur, toujours il s'adresse à Moussa, lorsque ta sœur te suivait en marchant et dit à la famille de Fir'aun, puis-je vous indiquer quelqu'un qui s'occupera de lui? Ainsi nous te rendîmes à ta mère afin qu'elle se réjouisse et qu'elle ne s'attriste plus. Puis tu tuas un homme, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Ça c'est ce qui va suivre après. Ça bien sûr, vous inquiétez pas, ne soyez pas devancé par l'histoire, on va tout détailler, ça vient après. Mais effectivement, là, on voit qu'Allah a rappelé ces faveurs-là à Moussa. Faut pas qu'il oublie. Hein.
Parce que l'insan, ça vient de... L'insan, c'est celui qui oublie. Insan. Ça vient de cette racine-là. Ins. Celui qui oublie. Et on oublie les souffrances qu'on a, mais des fois, on oublie le bien qu'on a reçu aussi. Ok. Il lui a rappelé. Il lui a rappelé. C'est pour ça qu'on dit le rappel, il profite aux croyants. On doit toujours se rappeler, même des choses qu'on sait. Mais on connaît l'histoire de Moussa, on la rappelle. On connaît le tawhid, on rappelle. On connaît cette règle-là, on rappelle. On connaît les règles du jeûne, on rappelle. El Insan, celui qui oublie. Là. Donc, il lui a rappelé donc, la venue de sa sœur, etc. Et là, on apprend après la suite de l'histoire. Puis, tu tues un homme, on va voir comment. Comment Allah l'a sauvé aussi des gens qui l'oppressaient. Et quelles sont ses épreuves. Donc nous évoquerons les épreuves qui ont touché Moussa au moment venu, Inch'Allah, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Voilà pour ce soir, bi'idhnillah. Il y aurait que moi ou ma foi, j'aurais continué, mais il faut marquer un temps d'arrêt. C'est le ftor dans une demi-heure, et puis chaque chose à sa place et en son temps. On verra, bi'idhnillah, dès demain, l'épisode de la bagarre, dans l'histoire de Moussa. Ainsi, je pense que Moussa, chez le peuple de Madian. Hein, le mariage de Moussa aussi, je pense qu'on fera ça demain aussi, ce sera déjà bien. Le mariage de Moussa et ensuite la prophétie de Moussa. Et je vais vous donner l'eau à la foi, comme on dit là, la prophétie de Moussa. Puis s'ensuit la demande de Moussa. Puis l'appel adressé à Pharaon, qui va voir Pharaon, etc., etc. Le reniement de Pharaon. Et beaucoup d'autres chapitres. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Inch'Allah, s'il y a des questions uniquement concernant le cours, vous me dites. S'il y a un point qui n'est pas clair, sinon toute autre question, on verra ça Inch'Allah plus tard. Inch'Allah, Abou Salman Qasim. J'espère que tu es un kafir, mon frère ou mon mec. Parce que franchement, dans les 10 dernières journées de Ramadan, qu'on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui prend mon pseudo, peut-être pour déranger les gens, peut-être pour faire une room, ou peut-être pour ce qu'il veut. J'espère qu'il est cas à faire. Dans le sens pour que je dis j'espère pas que les gens soient mécréants. Mais quand je dis j'espère, ça m'étonnerait moins. Je dis bon, il a rien à faire. C'est 10 dernières jours de Ramadan. Subhanallah. Non, mais tu peux baisser ta main, hein, idiot. Idiot bête. Tu peux baisser ta main. Je vais pas te donner la parole, tu te doutes bien. T'es un imbécile. T'es un grand imbécile. 10 derniers jours de Ramadan, Yamiskin. T'as rien à faire avant le ftor d'usurper l'identité de quelqu'un et de jouer le malin. Qu'Allah te pardonne, qu'Allah te guide. T'es un grand imbécile. T'es un ignare. Tu ne vois rien. Tu peux sourire, rigoler, déranger les gens. Prends mon pseudo autant de fois que tu veux. On ne donnera pas plus d'importance que je t'en ai donné là. Je t'en ai déjà trop donné. Ridicule que tu es. Wallahi, 10 derniers jours de Ramadan, mon frère. Dans une probable, dans une demi-heure, nuit du... Ah, il est parti. Il s'est senti gêné, il est parti. Dans une probable, Laylatul Qadr. Il est là et il fait ça. Il est content. Allah, il a déposé la grâce sur qui veut, il l'a enlevé sur qui veut. Wallah, lui, Wallah, ici, qu'Allah lui pardonne. Dites tous Amin, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le guide. Dites tous Amin, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le guide. Allez. Miskin. Naam, Leïla. Tu peux baisser ta main, Ignar, je vais pas te donner la parole. Va manger, va faire quelque chose de ta vie, va t'occuper de ta mère ou de ta femme, je sais pas, mon frère, n'importe quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bani Israël était-il soumis à Allah? Barakallahu fik. Naam. Bani Israël, on a vu que c'était quoi? Dans le début, c'était parmi meilleurs peuples. Hein? Et il y en a des gens descendants. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Des descendants de Ibrahim, Israël. Donc, Bani Israël, Yaqub, le prophète. Donc, les descendants de ce prophète-là qui ont suivi avec Moussa, qui ont suivi aussi après avec Aïssa. C'était Bani Israël, en plus, le meilleur peuple qu'on a vu à la surface de la terre à son époque. Donc, effectivement, c'était des croyants. Voilà. Oui. Pas d'autres questions sur le cours. Alhamdulillah, c'est clair. Donc, on va reprendre, donc, comme je disais, demain, Inch'Allah, avec la suite de l'histoire de Moussa. Et on fait doa pour notre frère imbécile qui n'a rien à faire de sa vie. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé. Ne tenez pas compte s'il fait une room, s'il fait ce qu'il... Laissez faire. Je rapporte de sources authentiques parce que c'était sa voix. Ahmed Aboulaïs qui m'avait confié une fois que quelqu'un avait créé un compte Twitter avec son nom. Et il a fait comme ça. Il a mis une de ses photos. Je ne sais plus comment il avait fait pour récupérer une photo de Ahmed, mais en tout cas, une de ses photos. Puis il a fait,
il a fait un compte Twitter, et il tweetait n'importe quelle bêtise pour essayer de décrédibiliser, etc. Il m'a dit, j'ai même pas donné suite ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Il a laissé, puis il s'est lassé, puis il a arrêté. Les imbéciles, ils arrêtent toujours comme ça. C'est les chariatines, c'est comme ça. Là, j'en ai parlé parce que je lui ai parlé directement, en fait. Je l'ai vu se connecter. J'ai dit, lui, vraiment, subhanallah, déjà, de tout temps, moi, j'aurais jamais que ça à faire. Les 10 derniers jours de Ramadan, dans une nuit en paix. J'espère qu'il est qu'à faire. J'espère pour lui. C'est un musulman, c'est un mouflis, comme on dit. C'est la grande perte pour lui. Wallahi, j'ai jamais vu ça. Et donc, j'aurais jamais parlé de lui, bien évidemment, parce qu'il y a une sœur, je crois que c'est, je sais plus si c'est Oum Hafsa, quelque chose comme ça, peut-être. Il y a une sœur qui m'a prévenu de ça en me disant, oui, il y en a un, il fait ça. J'avais vu son pseudo tout à l'heure, j'avais pas relevé. Et elle me dit, apparemment ça te fait rire et tout, il te dénigre, machin. J'ai dit, merde, j'ai dit qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le guide. Maintenant il revient là, donc je lui ai adressé un message, mais sinon j'aurais même pas parlé de lui. Laissez-le, bloquez vos PV pour plus de tranquillité de manière générale. Et les gens comme ça, répondez même pas au salam, s'ils passent salam, ces gens-là déjà. Et Allah, ils ne donnaient pas d'importance. Tout ce qu'ils peuvent dire sur moi, répondez pas. Bloquez vos PV ou si vous voulez pas, fermez dès qu'un ignare, un imbécile comme ça vient vous parler. C'est la meilleure des réponses, le pire des mépris. Il va se lasser, il va venir une fois, deux fois, trois fois, il est content. Je l'aurai probablement jamais en face, et c'est mieux pour lui et pour moi. Pour lui, pour éviter des désagréments. Pour moi, pour éviter de faire baisser ma foi, à frapper des gens inutilement. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des geeks et des gremlins d'Internet dont on se passerait bien. Mais sachez qu'ils sont que sur Internet. Que sur Internet. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui guide, qu'Allah le guide, qu'Allah lui accorde du rire dans sa vie, une occupation, et qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikoum à tous. Encore une fois, j'espère que ça vous aura été bénéfique et que vous avez hâte de savoir la suite. Même si on connaît, moi en tout cas, j'aime beaucoup ces cours-là. Bref, j'aime. Que dire ? J'aime. Subhanallah humma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.